Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. Aujourd'hui, on va vous présenter on va vous présenter le code de la chevalerie adapté au WBC qui a lieu à la fin du mois. Donc avec moi ce soir, j'ai Sœur Chabalou. Salut la compagnie des écuyers et J'ai futur chevalier. Sœur Titus Poulot Salut les copains. et Sœur Jamie. Salut à tous. Donc bonsoir à ceux qui sont connectés avec nous. Bonsoir Vlad. Bonsoir Riziel. J'arrive pas. Voilà, si, j'arrive à afficher. Ça met du temps. C'est l'ordinateur qui rame un peu ce soir. C'est pas grave. On va faire ça. On va faire avec. Donc on vous avait présenté le code de la chevalerie des Andals dans une précédente émission. On avait décidé de l'appliquer pour le WBC à la fin du mois. Donc on l'a adapté, enfin adapté, on en a tenu compte et on a fait le règlement pour ce WBC, c'est les personnes présentes, Chabalou, Titus, Jamie, Thierry, enfin d'autres du Bar à Théo qui ont participé à ça. Et donc, ils vont vous le présenter. Et l'objectif, c'est que vous l'avez déjà reçu. C'est de vous inviter à faire vos commentaires, à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, sachant qu'il n'y aura pas de modification, mais surtout à vous poser des questions si vos listes peuvent rentrer dans ce code de la chevalade. C'est bien ça, les gars? Yes. C'est pas mal, tu tiens à mon truc là. Bon, il y a plein de Alors, gens qui nous disent coucou, bonjour à tous. Ça fait est-ce plaisir qu'ils de voir l'ont plein de reçu? monde. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on l'ait envoyé. On n'a pas fait partir tous les courriers avec les Bristol en recommandé au nom de chaque joueur? Putain, mais c'est quoi ce merdier? Les corbeaux se sont fait abattre. Moi, dans mon bled, il y a plein de chasseurs autour. Ils ont cru que c'était des palombes. Il n'y en a aucun qui a pu partir vraiment. Ils ont fait 10 mètres. Canardet, désolé. Alors, ça va partir incessamment sous peu. Vous l'aurez avant la fin du week-end, promesse. Bah déjà, vous l'avez en vision là, vous pouvez le commenter, on peut le Voilà. regarder avec nous. Voilà, donc ce petit document-là, alors pourtant, il me semble que tu l'avais mis en ligne sur le Facebook du Bar à Théo. Oui, j'ai mis en ligne, mais après, je n'ai pas envoyé à tous les D'accord. participants du tournoi dans un mail. Estampillé T3 tournoi WBC, le lien du document. Mais Donc t'as je rien n'ai pas. branlé, quoi. Je Si, si, Bon, allez, je. on attaque. Donc, voilà, ce document est là pour vous guider et pour voir comment ça va découler. Premier slide qui le commente. Ouais, je vais me jeter alors, puisque Allez, je vas-y. crois que c'est de ma création. Alors, on a décidé vis-à-vis du code de la chevalerie, qui avait des préceptes qui étaient quand même assez larges, d'affiner un petit peu notre réflexion. Et puis, on explique en fait dans ce slide qu'est-ce que c'est que la renommée, donc la renommée des chevaliers, et comment cette renommée va être utilisée pour ce code de la chevalerie. Alors, dans cette renommée, on parle de comment, dans le WBC, on va utiliser un classement parallèle qui va être le code de la chevalerie. Dans ce de classement parallèle, on va vous donner des points de bonus qui seront fonction de votre renommée. L'idée, c'est de récompenser les joueurs qui s'immergent le plus dans le fleuve au détriment de l'optimisation. Alors, on verra si on y arrive. Et puis voilà, donc c'est une petite explication littérale de ce qu'est la renommée et comment on va la gérer. Oui, donc on le redit, hein, c'est une participation volontaire à ce classement secondaire du WBC. Et donc vous aurez vos points de tournoi, vos pitis, et à ces pitis, pour les sœurs, donc les sœurs ce seront ceux qui participent, qui se sont inscrits dans le code de la chevalerie, on ajoutera vos points de renommée. Donc ça modifiera forcément votre classement final en fonction de vos nombres, de vos points de renommée. Alors, Wilfried, rappelle-toi, hein, il y a toujours un classement
général qui suit sera immuable et qui ne sera pas bougé pour tous les joueurs, qui est le classement du tournoi. Et ce classement des chevaliers, lui, tiendra compte en parallèle du classement avec la renommée et donc fluctuera en fonction de votre renommée. Hein. Mais on reste toujours avec un classement général. Pour celui qui voudrait jouer sans être sœur, il n'y a pas de problème, il sera classé normalement sans tenir compte de tout ça. Bon, alors attention, Jamie a mis ses lunettes. Ouais, mais c'est parce que je vais intervenir. C'était juste pour dire que le classement général, il n'y aura, y a rien de renommé là-dedans. Mais par contre, le classement renommé, en cas d'égalité, ça sera bien le positionnement au classement général qui départagera les joueurs qui auront la même renommée. Donc, parmi ceux qui sont fluff à égalité, eh bien, ça sera celui qui aura scoré le mieux dans le tournoi, c'est une évidence, qui sera devant l'autre, mais je le rappelle. Ok. Allez, slide suivant. Bye. Ouais, vous n'êtes pas volontaire, là, les gars, là, hein? Ah ben, bah, j'ai eu la mienne, attends, et les autres, ils font rien, là. Ouais, il faut que je m'en délire. Mais moi j'interviendrai quand ça parlera un peu fluff. Okay. Alors, sinon, coup, le temps qu'il mette ses lunettes et que Titus change d'humeur, je vais la lire. Allez. Donc, là, on explique un petit peu ce que c'est que la renommée d'un chevalier. Dans notre cadre à nous, hein, parce que sinon, la renommée d'un chevalier, vous savez ce que c'est. Hein. Il a vous voyez Gregor Clegane, vous voyez Jamie Lannister, vous voyez Ser Barristan Selmy, vous voyez très vite ce que c'est la renommée. Mais là, en l'occurrence, comment on l'a fait nous? Alors, c'est un système qui vous, par rapport à ce que vous choisissez dans la sélection de votre armée, donc ça commence avec le général, ça part avec les unités combattantes, les attachements, les UNC, tout ce que vous allez mettre dans votre liste, en fait, va participer de votre renommée de chevalier. C'est-à-dire qu'en fait, il vous est demandé de faire un effort ou d'aller rechercher les choses qui sont un peu plus fluff, moins optimisées et plus fluff pour accroître votre renommée de chevalier. Parce qu'un chevalier, il ne s'embarrasse pas, justement, il s'embarrasse de sa morale et de sa voix et de son code pour se présenter au combat. Il évite de faire tout et n'importe quoi. Et donc, s'il va dans le côté fluff, dans le côté un peu... Il sort des sentiers battus, de l'optimisation, il sera récompensé. Bon, alors, il y a Vlad. Alors, je suppose que c'est de l'humour. Enfin, je ne sais pas. Mais... il me demande ce que ça veut dire, le fluff. Ah, alors, tu peux aller sur Google Images et chercher ce que c'est à l'origine, le fluff. Le fluff, c'est une espèce de pâte de marshmallow américaine. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça fluff, mais en fait, ce qu'on dit fluff, c'est l'historique, simplement. C'est ou ce qu'on peut appeler le background, si on continue avec l'anglais, ou le lore, pour continuer dans l'anglais. Mais en fait, c'est l'historique. Il faut que ça corresponde, ou que ça tende à correspondre, peu ou prou, à l'histoire du jeu dans lequel nous jouons, à savoir la saga du Trône de Fer. Voilà. Très bien. Voilà. Un petit point d'ailleurs, un petit commentaire du coup sur ce slide, c'est que si vous n'êtes pas fluff ou pas 100% fluff, c'est pas très grave, vous pouvez quand même participer ce code de chevalerie et à ce classement spécifique. C'est juste que plus vous convergez vers quelque chose qui est complètement en symbiose avec la saga littéraire, et plus vous allez marquer des points, c'est ça l'idée. Donc thématique, oui Vlad, forcément, c'est forcément une thématique. En fait, la thématique que l'on recherche, c'est pas, elle va un peu au-delà de la faction. Il va falloir mélanger l'ensemble des unités combattantes, non combattantes, qui, à un moment donné dans la saga, partagent le même destin, conduisent des actions pour un même objectif. C'est ça l'idée. Et là, si vous faites ça, alors là, vous marquez un maximum de points. Alors, vous verrez, hein, je ne veux rien révéler, mais on a quand même des slides qui vont vous aider à appréhender cette construction de liste. Hein. Alors, Drodro, oui, commentaire de Drodro. On va voir ce que ça équilibre. C'est un premier jeu, c'est une première expérience. Il y a rien d'officiel par rapport à Simone, etc.
les Lannister et Stark ont un avantage, je sais pas. Ils ont plus de choix, ça c'est sûr. Ils ont plus de choix puisque c'est clair qu'il y a eu beaucoup de sorties neutres qui étaient à Westeros et pas tant à Essos. Et puis avec des trahisons comme les Bolton qui sont ou les Pitres Sanglants qui sont un coup chez les Stark, un coup chez les Lannister. Donc effectivement, il y a un peu plus de choix. Mais si vous mélangez les choses, eh bien, vous n'aurez pas les points. Donc c'est pareil. C'est pas parce que vous faites du Lannister Bolton que vous pouvez mettre n'importe quoi de Lannister avec n'importe quoi de Bolton pour marquer un maximum de points. Voilà. Mais effectivement, les Targaryens n'ont pas le droit au Bolton, par exemple. Enfin, ils ont le droit. Ils n'ont pas le droit de renommer, quoi. Suis en train de rire parce qu'il y a un gars Ouais, qui j'aime bien, commente qui j'aime dit bien. le chapitre révélé de Winds of Winter où Bolton dirige une armée targaryenne. C'est pas mal. C'est bien si t'as les bouquins, il faut que tu nous les passes vite, 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 vite. Il faut les faire lire à tout le monde. Parce que là, sinon, ça va pas aller. Et Khal Drogo n'est pas mort. Il chevauche un dragon. Oui, j'ai lu ce passage. Alors, après, on a d'autres commentaires déjà. Enfin, Michel. Après, si je joue un quart d'armée et que le général est super populaire, je suis puni. On punit Ah pas. oui. Alors, déjà là, tu vois, on punit pas. On a décidé, alors je vous cache pas que ça a été une discussion un petit peu de longue haleine, mais on punit pas. C'est-à-dire qu'on va plutôt récompenser à l'inverse ceux qui font ce qu'on attend plutôt que ceux qui feraient ce qu'ils ne font pas. Donc vous verrez, vous allez voir, on a. Mais je comprends vos interrogations, mais le mieux, les gars, ça serait qu'on déroule un petit peu toutes les slides pour que vous voyez un petit peu où vers quoi on va, sinon on ne va pas avancer et puis on n'aura pas les réponses Mais non c'est plus. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien Après, qu'il pose des questions. ils les ont lus les slides, sinon ils ne poseraient pas ce type de questions. Parce qu'ils ont certainement vu. Donc finalement, la communication et les documents est arrivée. Mine de rien, tant bien que mal. Ouais, je vais juste répondre à Baptiste Ouais. qui voulait faire une liste Tyrell autour de Lannera avec Garland. Garland Tyrell, commandant. Il se trouve que Garland Tyrell, il est pas sorti. Mais, Serenity moi, 2. je propose et j'accepterai une liste dans laquelle Renly, tout en armure, on ne voit pas son visage. Eh bien, peut-être choisi comme étant Garland Tyrell, parce que finalement, à Lannera, c'est bien Garland Tyrell qui a revêtu l'armure de Renly et qui va au combat. Donc, il y a des petites subtilités comme ça qu'on peut accepter au coup par coup. Faites-nous des propositions, on vous dira. Mais par contre, oui, ce qu'il Voilà. disait, c'est que voilà, il peut pas jouer les piquets, il a Cave Tully, Ah oui. enfin Tyrell, 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 pas pardon. Cave Tully. Tyrell, Cave Tyrell. Pas encore. Ouais, mais on maîtrise pas la distribution. Hein. Je vais faire un petit peu comme font les gars de Semoun dès que ça merde. On maîtrise pas la distribution, les gars. Hein, donc. Non, par contre, ce qu'on peut dire en préambule, et histoire que vous paniquiez pas ou que vous vous interrogiez pas de manière enfin, de trop, vous pouvez nous en, dès que c'est possible, envoyez-nous vos listes et on vous fera des retours. Voilà, c'est pas non plus le comité de censure du Politburo, hein. Donc vous envoyez vos listes, vous faites des propositions, on vous répond. Enfin. Si vous demandez votre note, on vous la donnera. Si vous voulez travailler pour l'améliorer, on vous donnera on communiquera. Donc n'hésitez pas à envoyer les listes si jamais vous avez des interrogations. Voilà. Moi, Après, vous j'en ai pourrez. déjà reçu pas mal. Et effectivement, n'hésitez pas. Alors, parmi celles que j'ai reçues, je peux déjà donner aiguiller certains. Par Attends, exemple, sur attends, la. je te fais répondre à la question de Vlad. Tico va que avec Stannis? Eh oui, pardon, j'ai répondu, je sais. Ben non, Ouais, il va Tico. avec qui tu veux. Par contre, si jamais tu le prends et que t'es pas autorisé, Non. ben, tu n'auras pas les points, en fait. Tico, il est avec Stannis à partir d'un certain moment. Mais en fait, la Banque de Fer, elle soutient aussi les Lannister au début de la saga, quoi. Elle soutient, en fait, elle soutient Robert Baratheon, plus exactement. Et puis du coup, Cersei Baratheon, quand elle est veuve, c'est à
partir du moment où la guerre des cinq rois commence à faire rage, que la banque de fer, elle cherche à prêter un petit peu tout le monde en se disant il y en a bien un qui va gagner. Et Tico, lui, le personnage de Tico, qui est un émissaire de la banque de fer, effectivement, il rejoint Stannis dans le nord. Mais là, c'est pareil, on pourra considérer que Tico est un émissaire de la Banque de Fer et qui a pu très probablement rejoindre Port-Réal avant les événements de la guerre des Cinq Rois. Donc avant que je t'interrompe sur Tico, tu voulais donner déjà des retours par rapport à des questions que tu avais eues? Oui, alors d'abord, il y a un certain nombre d'attachements qui, dans la saga littéraire, on les trouve pas en tant que, on les trouve pas sur le champ de bataille. Par exemple, Bran et Odor, par exemple les enfants Reed, etc., etc. C'est pas parce que ils ne figurent pas sur le champ de bataille qu'ils n'ont pas partagé le même dessin. Donc ils peuvent être intégrés dans une liste, dans une même liste. Par exemple, si vous êtes Stark et vous faites une liste qui tourne autour de Winterfell, alors que c'est Bran qui est le dernier représentant des Stark qui tient Winterfell, bah vous pouvez très bien prendre Roderick Cassel en tant que général et intégrer Bran et Hodor en tant qu'attachement dans la liste. C'est pas parce que les armées que vous allez constituer n'ont pas conduit de bataille qu'il faut pas les constituer, enfin qu'elles n'ont pas de légitimité historique. Si, sinon Renly, on va jamais le jouer. Il a livré aucune bataille. Courtney Penrose non plus. Il est mort avant. Mais pour autant, vous pouvez sortir des listes comme ça. Il n'y a pas de souci. On a du bon, hein, je pense, hein, sur le avec nous en direct. Non, c'est pas ça que je voulais afficher. Damien semble bien calé dans le fluff. Il nous dit que Tico négocie avec Jean Neige aussi, et donc qu'on peut le Ouais, convaincre oui. avec un Night Watch. Ouais, c'est bien après, en fait. Mais c'est bien, c'est cool si vous avez C'est si la quasiment sur négoce la s'en fait fin. avoir, c'est bien. Ouais, mais il a la version québécoise parce que Voilà. Jean Neige, moi je le trouvais dans aucun livre. Hein. Je sais Non, pas mais qui c'est Jean Neige. quand Tico négocie avec Jon Snow, Jon Snow est le 998e Lord Commandant et il a déjà fait passer Ouais, je sais plus. Les sauvageons de l'autre côté du mur. Et il y a C'est. Stannis qui est là aussi. Enfin, on en est là. Hein. Y a Drodro qui proposait aussi de voir de tester des armées sans neutre. On fait des tests, hein, on fait des tests, on verra. Oui, Bon, je oui. pense pas que. On verra comment ça se transforme. Oui, c'est une version, c'est notre Oui, proposition ouais. que nous assumons de A jusqu'à Z pour ce tournoi-là. Après, les neutres ont aussi une vocation, c'est de renforcer les factions en juste sortie, puisqu'elles n'ont pas trop de diversité. Hein. Donc, si on parle pas du coup du code de la chevalerie et que tu retires les neutres à toutes les factions, bah, il y a des factions qui sont les dernières sorties, qui n'ont pas autant de sorties que les premières, et c'est compliqué, quoi. Donc, c'est aussi leur rôle. Hein, donc, Allez, on va On maintenant enchaîne. le slide 4. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est sur la base du volontariat. Et après, vous avez mis un petit speech. Je sais pas qui l'a fait le speech. Ouais, je crois que c'est moi. Ah, bravo! Hein. Alors, bah, je disais d'abord comment en être, hein, bah, comment on fait pour en être. Bah, la première chose, déjà, faut être volontaire. Alors, bah, si, ça compte, hein, parce que si t'es pas volontaire, nous, on n'ira pas te chercher. Ensuite, faut faire suivre ses listres. Hein. Alors là, j'ai mis un petit clin d'œil hein, au Conseil supérieur du dessus qui a le droit de dire oui ou non. Donc, en fait, c'est simplement qu'on s'autorisera, évidemment, de manière très arbitraire pour ce qui serait. Pour nous abuser, mais je pense que ça sera vraiment dans les cas très abusés de refuser. On mettra l'accent en espérant que vous mettez l'accent sur la diversité, en mettant que vous soyez attentif au respect du fleuve, et on pourra accepter quelques doublettes.
Voilà, et on t'attribuera des points de renommée. C'est ce qu'on a déjà dit plus haut. Les unités de doublette, donc les copains, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, on est parti sur le principe que toute unité qui, dans un starter, était en double, pouvait être prise en double chez nous. Je m'explique. Chez Lannister, on va parler des gardes. Chez les Baratheon, les Warden. Chez les Targaryens, ça sera la cavalerie, les Screamer. Screamers. Chez la garde de nuit, ce sera les Eastwanderer. Swampriders. Voilà. Alors, chez les neutres, on a tranché de cette manière. On a dit, si tu joues Bolton, eh ben, tu auras le droit à deux écorchés Bolton. Si Les tu coupes joues jarrets, Bloody Rivers, coupe les coupes jarret, ouais. jarrets, Si pas tu les joues... écorchés. Les écorchés, c'est les Ah ouais, flamés. des coupes jarret, pardon. Si tu joues Bloody Mummers, eh ben, tu auras le droit à deux unités de base d'infanterie de Bloody Mummers, là, les tirailleurs. Et chez les Stormcrow, bah, tu auras le droit à deux unités de mercenaires Stormcrow. Voilà, c'est les doublettes qu'on acceptera. Et on en a convenu bah, il n'y a pas très longtemps, puisqu'on en a parlé avant juste l'émission, et ce sera les seuls, en fait. Voilà, si vous m'arrêtez les copains si je dis des bêtises, mais je pense que c'est ça. Ouais, poser la question des du peuple libre, mais Ben, ok. ils ont les raiders, doublette de raiders. Doublette de Raider. Bon, mais c'est un voilà, enfin, on le voit, c'est pas évident de trouver le juste équilibre. Voilà, on fait. Non, non, c'est compliqué, hein. Franchement, je ne vous cache pas que on a eu quelques échanges. Quelques longues tirades sur des forums perso avec des pour, des contre, et j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est, non, c'est pas facile. Donc on fait un test. Et c'est pour ça qu'on appelle ça ce volontariat. On a cassé un peu de vaisselle au bar. C'est vrai. On a cassé des tasses à café et des chopines, des pintes de bière. Et alors ça fait mal. Les pintes de bière, autant les tasses à café, ça peut passer, mais alors les pintes de bière. Bon, mais Frédéric dirait que la prochaine, il viendra en free fluff. Ben, la prochaine, c'est le 31, là. Tu peux encore t'inscrire. Allez, on enchaîne. Allez, on va avoir les bonus maintenant. Donc, bonus renommé pour les généraux. Alors, pour les généraux, je prends la parole, Wilfried, ouais. Ouais, vas-y, alors, ouais. Et ben pour les généraux, en fait, c'est la seule note où ben vous ne pouvez pas la connaître avant d'avoir fait le tournoi. Parce qu'en fait, vous allez être noté en bonus de renommée en fonction de la popularité des deux généraux que vous allez choisir au tournoi. Donc, vous êtes, je ne sais plus combien, on est deux joueurs, 50 et quelques. 54. Il y a 54 joueurs, ça fait 108 généraux. Eh bien, ceux qu'on choisit des généraux exclusifs marquent des points. Ceux qu'on choisit des généraux qui sont déjà pris par d'autres, mais pas beaucoup, marquent 2 points. Et ainsi de suite. Voilà. Donc bon Et courage pour sinon? trouver le général qui est. Ouais, Et attends, si j'ai bien trouvé 6 numéros hier au loto, moi. C'est bon, facile. J'ai une petite question. Enfin, alors là, pour le coup, vous allez vous demander, mais ils ne communiquent pas, les mecs. J'ai juste une petite question, parce que je pense que je n'avais pas posé cette question en interne. Le bonus renommé des généraux se calcule aussi avec les généraux qui participent à la chevalerie? Ben non, c'est uniquement ceux qui participent à la chevalerie. Donc ça fera peut-être pas une chance sur... Oui. Ça réduira un peu le spectre. Oui, Ouais, ça ça réduira le réduira. spectre. Par contre, Parce que là, si... je me mets à la place d'un gars qui allait jouer, alors je ne sais pas quelle faction, il se dit, putain, mais attends, avec tous les autres joueurs, qu'ils soient chevaliers ou pas chevaliers, il faut que j'aille trouver un général qui n'ait pas joué. Ah ben je vais jouer Dario Naharis. Tu vois, je Ouais, vais prendre un on ne général regarde rien. roulette. Un Ouais. Targaryen, oui, ça c'est faisable. En même temps, ça fait pas beaucoup de points d'écart, hein, donc faut pas se prendre trop la tête avec ces Non. affaires Oui. de Enfin, généraux pas non beaucoup de plus. points d'écart. Enfin, Voilà, pour ça. le coup, c'était un bonus qui, à mon avis, enfin, je serais surpris qu'on l'utilise beaucoup, mais bon. Voilà. Le calcul se fait sur les deux listes. Hein. Donc, si dans votre liste, Ouais. vous avez deux généraux qui sont uniques, vous marquez 6 points. C'est ça. Par contre, si vous prenez deux fois le même généraux dans votre liste 1 et liste 2, ah bah c'est dommage. Oui, parce que du coup, il sera représenté 2 fois. C'est ça. Il sera Voilà. représenté 2 fois. Alors, Damien nous dit que tous les Greyjoy vont débarquer avec Eric et Commandant.
Pensez à mettre des roulettes à son fauteuil pour qu'il puisse avancer sur la table quand même. Après, vous pouvez faire le pari que tout le monde va prendre des généraux originaux et vous, vous allez prendre celui que tout le monde choisit tout le temps. Vous verrez bien. C'est pas con. C'est du contre-méta. Par contre, C'est pas mal. qu'est-ce que vous avez dit sur le fait qu'un chevalier puisse prendre deux fois le même général dans ces deux listes? Ah bah du coup, il n'est pas unique. Non, non, mais C'est ça. non, mais c'est autorisé. Un chevalier peut prendre deux listes avec deux fois le même général. Ah oui, c'est juste qu'il ne Ah. marquera pas les bonus de renommée dus à la popularité de son général. Voilà. Avant que la question se pose, je préférais la poser. T'as raison. Alors maintenant, on va passer au bonus par maison, par faction. On va commencer par les Targaryens. Et toujours pareil, on calcule sur les deux listes. Ouais. Alors, on Bon. peut marquer jusqu'à 4, 7, 8, 9, 10 points par liste. Donc 20 points avec vos deux listes, si vous respectez tout le fluff. Donc en fait, chacune de vos listes seront notées sur, enfin, pourront rapporter jusqu'à 10 points. Donc ça vous fait 20 points. En plus, on va voir qu'il y a le fluff historique qui peut aller jusqu'à 4 points par liste. Donc 8 points supplémentaires, on arrive à 28 points. Et tout à l'heure, on a vu que si vous preniez des deux généraux que personne n'a pris, vous marquez 2 fois 3 points, 6 points. Donc 28 et 6, tout ça nous emmène, si vous êtes l'élu, ça fait 34 points. Si vous respectez l'histoire et les restrictions de fluff, et qu'en plus vous avez des généraux exotiques, Eh ben, ça fait 34 points. Jamie, t'es sûr? Je Ouais, crois que je pense que. tu leur as fait une belle promo là. Fluff Ah oui, je pense que c'est 10 par liste avec le fluff historique. compris, hein. Ah ouais, exact, avec le fluff, ouais. Non, mais vous l'avez bien vendu, les gars. C'est pas la promo du siècle. Allez, achète! pour 20 points offerts, 14 achetés. Vêtu, C'est le c'est contraire. ça. Ah ouais, non, ça fait Alors oui, Iziel fait une remarque, ça pénalise les factions pauvres en généraux. Oui, Ouais, forcément. bah ça, faut écrire à Michael Chignol, là, c'est de sa faute, s'il fait pas assez de généraux dans son truc. Non, mais c'est pas faux. C'est pas Non, faux, mais oui, on est mais oui, d'accord. mais on, On est voilà. d'accord. C'est pas faux. Alors par contre, oui, il y a une spécificité pour les Targaryens. Donc pour ceux qui veulent participer au code de la chevalerie, Mother of Dragon n'est pas autorisé. Ouais, alors, un petit mot sur Mother of Dragon, un chevalier, nous, on avait dit entre nous qu'on devait. Ça devrait offrir du challenge et puis de la partie, une belle partie à l'adversaire. Alors, Mother of Dragon, bah dans ce cadre-là, c'est un peu compliqué pour le gars qui joue face à toi. Alors, elle est historique, hein, il n'y a pas à dire, hein, il n'y a pas de secret. Mais bon, en face, le challenge que t'offres au partenaire de jeu, il n'est pas top. Donc, à partir de là, on a préféré la sortir, en fait. Ben c'est même pire que ça parce qu'on a dit que pas de doublette et qu'on considérait les dragons comme Oui. une unité. Donc ça fait pas de dragons non plus. C'était la question Ouais, mais c'est suivante. ça. Mais si tu veux tes dragons, à l'opposé, pour en avoir discuté, certains t'opposeront que chaque dragon est différent parce que c'est pas la même entrée. Donc vraiment, ce qui, voilà, on veut pas de doublette de dragon, même s'ils portent un nom différent, certes. Mais bon, de toute façon, en termes de jeu, voilà quoi. Oui, ben, oui, c'était quelque chose qu'il fallait préciser parce qu'on l'a pas vraiment noté que les dragons étaient la même entrée en fait. Ben, c'est pas la même entrée, hein. Drogo, c'est pas la même entrée que Rhaegar, on n'y peut rien. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes effets puisqu'ils n'ont pas le même Oui, token mais donc du distribué. coup, ben, faut remarquer Donc, que nous, on considère que c'est. voilà. Oh, bon, regarde. Mother of Dragon non autorisé, voilà, point. Bon, on affichera la question de Vlad quand on passera sur les Lannister. Ouais. On part de la garde de nuit maintenant. Basse. Bah, c'est pareil, hein, vous avez donc le même cumul possible, puisqu'on a essayé d'avoir un cumul qui ressemblait, qui était pour tout le monde. Voilà, donc en fonction de vos unités, pas de neutre chez les UNC, pas de neutre chez les unités de combat, aucun attachement chez les. En attachement, et le fluff historique pouvant rapporter jusqu'à 4 points.
Et puis la petite spéciale, encore une fois, c'est on n'autorise pas Hôtel Yarrick en général. Voilà. Alors on aurait pu, on a lu hein, sur le Discord, on a échangé avec certaines personnes, on aurait pu affiner en disant Hôtel Yarrick avec telle unité. Mais on n'a pas voulu s'embêter clairement parce que bah, c'est un peu la porte ouverte à aller chercher à chaque fois des choses trop pointues et on aurait pu louper quelque chose qui nous a embêté. Donc en enlevant la condition principale d'entrée qui est le général hôtel, et ben on supprime tout le reste et puis voilà quoi. Donc voilà. Ça sera camping, ça sera pas hôtel pour le WBC. Voilà. Ben pour ceux qui veulent faire la chevalerie, parce que si les pour ah les oui. autres pour jouer à hôtel, les autres jouer en gros podcast avec vous... hôtel, on ne peut rien dire. Hein. Non. Et les chevaliers que vous affronterez, ils pourront rien dire non plus. Ils serreront les dents, ils se mettront derrière leur bouclier, ils attendront que ça passe. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du challenge. Et donc, on n'autorise pas Tico en unité non combattante. Enfin, si tu l'autorises, mais tu n'auras pas les deux points. Ah oui, oui bien sûr, pardon. Ah, oui. Oui, il est autorisé. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec vos listes, mais ça ne rapportera pas deux points. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, on enchaîne avec les Stark. Eh ben alors, pour les Stark, bon ben pour ce qui est des unités combattantes, vous pouvez tout prendre, enfin, tout ce qui est Stark et les neutres, sauf des Corbeaux Tornades. Parce qu'effectivement, c'est une compagnie de mercenaires qui travaille à Essos, les Stark étant à Westeros. Voilà. Pas de Corbeaux Tornades. Si vous voulez les 3 points. Voilà, si on veut les 3 points. Ouais. Voilà. En UNC, ben tous, sauf Tico Nestoris. Pas de lien dans l'histoire entre Tico Nestoris et lui précisément et la famille Stark. Mais vous pouvez le mettre. Mais effectivement, vous laissez partir le bonus de 2 points. Pour ce qui est des attachements, vous avez le droit à tout sauf Bronn, parce que lui, il a beaucoup travaillé avec les Lannister et pas du tout avec les Stark. Pas les attachements Corbeaux Tornades. Bon, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, c'est que Daryona Harris. Et ni les Pitres Sanglants, parce que les Pitres Sanglants sont employés par les Lannister pour un peu mettre la guerre chez les Tully, donc les Stark. Voilà, ça c'est pour ce qui est des attachements. Et puis après, le fluff historique, et ben là, ça sera le domaine du bon Dr Jimmy qui fera le point avec vous. Je vous donnerai des tuyaux aussi pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans l'émission. Pardon, pas sous la liste. On distribuera des abonnements à la FNAC là, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins. J'enchaîne avec les Lannister, du coup. Pour les unités combattantes, même principe, pas de Corbeaux Tornades, hein. Ils sont des sauces, là, on est dans une grande maison de Westeros. Pour les UNC, bah, ça, c'est la chance des Lannister, la chance où leur manipulation, ils peuvent jouer avec tout le monde. Chez les attachements, alors pas Brienne, parce que Brienne, elle a été plutôt avec Renly, plutôt avec Catelyn Stark, et pas vraiment travaillant pour la maison Lannister, même si elle a eu des liens, mais c'était vraiment très périodique et vraiment très contingenté dans le temps. Donc on Brienne pas avec Lannister, bien sûr pas de Corbeaux Tornades, hein, puisque même chose, ils sont pas du coin, et puis voilà. Par contre, j'ai pas compris l'histoire des UNC. Oui, alors si tu joues avec ou sans UNC neutre, t'as un bonus de 2 points. Ça veut dire que tu peux jouer des UNC neutres. C'est ça. En fait, on aurait pu mettre plus 2 directement. Oui. On aurait pu mettre plus 2 directement, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais on a préféré proser avec une phrase qui voulait rien dire, puisqu'en fait, on pourrait l'enlever. Ah, désolé, c'est la mienne. Donc, en fait, quoi qu'on joue en UNC, les Lannister automatiquement 2, en fait, c'est ça? Eh oui, c'est la fête. Ah, c'est la fin. Donc, si tu veux pas les 2 points, tu joues sans UNC. Voilà, c'est ça. Et encore, ça marche même pas parce que avec ou sans. Bon, mais du coup, non, il y avait une question. Non, je voulais dire un truc sur les Lannister. Et j'ai plusieurs choses à dire sur les Lannister. Ah. Le premier, c'est que. Ouais. Alors, certes, ils ont plein d'entrées, ils ont plein de généraux, ils ont plein de choix possibles. Néanmoins, pour avoir les 4 points de fluff historique, eh bien, faut pas se louper. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Et au final, ça devient finalement assez compliqué de faire une liste Lannister qui remporte les 4 points fluff hein, en mélangeant des neutres. Vous verrez. Et là, du coup, autre chose sur les Lannister, sur la garde royale. Alors,
Les gardes royaux, quand ils sont pris indépendamment, ils ont un nom, on sait qui c'est. Voilà. Boris Blunt, Barristan Selmy, etc. À partir du moment où vous mettez Joffrey dans sa garde royale, les gardes, ce sont plus les mêmes. Parce que Barristan, il a été dégagé, parce que il y en a un qui est mort pendant une insurrection, je sais plus lequel, Preston Verchamp, Personne. Preston Verchamp. Et puis et Sandor Clegane, lui, par contre, il est garde royal. Donc ça veut dire que quand vous mettez Joffrey dans votre garde, dans la garde royale, en théorie, vous pouvez pas mettre Sandor Clegane aussi dans la même liste. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Ok, après il y avait donc je reviens sur une question Attends, de Jeff. juste un truc, Ouais, vas-y, vas-y. l'histoire de Sandor et de la garde royale, tu me l'as pas dit, Jamie. Quand je t'ai envoyé ma liste avec de la garde royale et Sandor Clegane dans une autre unité, tu m'as pas dit qu'il devait pas être dedans. Maintenant, Je je t'ai dis dit pourquoi. l'inverse. Hein? Bah Comment en fait, ça? le problème, c'est que Koulmini, ils ont un peu merdé là-dessus, hein, parce que les gardes royaux, c'est pas les bons. Hein. Mais bon, Ah, après, bon, si c'est comme c'est ça, pas la c'est garde comme de ça. Mais... Geoffrey. Après, si tu regardes les figurines, il n'y en a aucune qui fait la taille de Sandor Clegane. Enfin, je dis rien. Non, ok. Bon, du coup, une question de Vlad par rapport à ça. S'il joue Sparrow avec deux Pourfellows, est-ce que c'est... Enfin, c'est fluff, mais est-ce que ça passe? Oui, bien sûr. Parce que par rapport à l'histoire des doublettes, là. Eh Ah oui. oui. Normalement, Eh oui. ça doit Normalement, pas ça passe passer. pas. Ça passe pas. Ah, exact, ça passe pas. Ça passe pas, parce qu'on a mis, alors malheureusement, on a mis cette entrée-là sur les doublettes. Mais sinon, je te prends un autre exemple. Deux Dragonstone Noble, c'est 4 points aussi, et puis ben ça passera pas. Oui, mais Je vais là barrer. c'était par rapport au fluff, Ouais, mais Sparrow. là, c'est Oui, fluff. Si tu mais je suis veux, d'accord. le grand moineau, c'est clair qu'il a avec lui tout un tas de pourfellows en quantité. Bon. C'est la règle. C'est la règle, Vlad, pour ce tournoi. C'est vraiment, vraiment, c'est un peu les effets collatéraux d'une règle où on est obligé de fixer un moment et on est conscient qu'on peut des fois se tromper, mais bah, ça arrivera d'autres fois, quoi. On peut jouer Tyrion avec Circé? Bien sûr qu'on peut jouer Tyrion avec Cersei. Il y a plein de fois où Tyrion et Cersei, même s'ils ne peuvent pas s'encadrer, ils se sont quand même soutenus. À la Nera, par exemple, Cersei, ben, elle espère survivre à la bataille. Et Tyrion, lui, il est carrément sur le champ de bataille. Donc, il partage la même destinée, qui est de survivre à la bataille de la Nera contre l'invasion de Stannis. Donc, oui, on peut. Diel, tu dis Jamie aussi alors, c'est par rapport à quoi? Alors, Jaime, Tyrion et Cersei ensemble, il faut remonter à avant la mort de Robert. Et ils sont pas spécialement sur le champ de bataille, mais Ouais, ça passe. c'était au mois de février, je crois d'ailleurs. Le 7. C'est la bataille des chevaux de bois. Ils étaient petits, ils ont joué ensemble. Ils sont montés sur des chevaux de bois. Je crois Allez, qu'il y a on une attaque armée les... aussi où il y a Jaime, Cersei et puis Bran qui est envoyé en éclaireur depuis la tour. Ah non, il posait la question de Jamie. Si tu prends la garde royale, est-ce que tu peux avoir Jamie en attachement? Ben non, ça non. Il est que dans la garde. Si tu prends la garde royale, c'est spécifié que Jamie peut pas être dans l'armée. Ouais. Oui, c'est un caractère nommé. Oui, et puis Ouais. de toute façon, si tu prends la Kingsguard, Jamie est dans la Kingsguard. Quoi qu'il arrive, et c'est même précisé sur la carte de la Kingsguard. Ok. Allez, Enfin, donc on joue. il rejoint après la bataille de la Nera, hein. Mais bon. Bien Certes, après. mais après, Mais oui. on va attaquer avec les Greyjoy, là. Allez. Qui s'occupe des chiperons? Ah, pas moi, j'aime pas ces trucs-là. Bah. Ah bah, les Greyjoy, il faut que je mette mes lunettes. Alors, moi, je crois qu'on a autorisé que. Enfin, on a autorisé. Tout est autorisé, encore une fois. Mais en neutre, il y a Jaqen qui rapporte des points si vous le prenez en UNC. Et sinon, vous pouvez jouer tout ce qui est déjà mis à disposition en termes de Greyjoy. Il y a quand même une belle quantité de sorties, hein.
Y a de quoi faire. Alors pourquoi Jacken? Et ben tout simplement parce que il y a une théorie qui est assez qui tient la route et qui sous-entend que Euron dans la série télé, on voit Euron qui balance son frère Balon Greyjoy par-dessus la passerelle lors de la tempête là de nuit sur l'île de Pike. Et en fait, dans les livres, c'est Jaqen H'ghar, ou tout du moins un sans-visage, et peut-être potentiellement Jaqen H'ghar qui est soupçonné de le faire. Il y a tout un tas de théories crédibles là-dessus, donc on l'autorise. Ouais, mais là, c'est X-Files, là, Ah non, c'est plus qu'X-Files, il y a plein, enfin je veux pas spoiler ceux qui veulent D'accord. découvrir les livres, mais Ok. Et donc, c'est en unité quand même assez commandante, pas crédible. d'unité. Si on met pas d'unité neutre, on a un bonus de plus 3. Ok. Ouais, c'est. Bon. Bah, le problème, c'est qu'il faut aussi récupérer les Greyjoy, donc c'est vrai que c'est pas. Bon, et quoi qu'il arrive, même si vous êtes limite et que tant pis, vous sacrifiez quelques points, essayez d'éviter de mettre Theon Greyjoy en Greyjoy dans des Bastard Girls. Voilà, c'est juste, bon, ça fera mal un peu de voir ça. Mais bon. Ça fera zéro fluff historique. Ah oui, là, vous allez vous faire savater. Comme ça, Allez, crac! on va attaquer les Baratheons. Là, c'est assez facile les Baratheons, hein, parce qu'avec leur. Ils ont déjà des orientations fluff. Hein, du fait Oui, de c'est vrai. leurs affiliations. Hein, affiliation Stannis, affiliation Renly, ça déjà, ça. Ça restreint, ce qui fait qu'en fait c'est assez facile de faire des listes qui feront 100% fluff si vous jouez Baratheon, beaucoup plus facile que si vous jouez Lannister. Alors pour les Baratheons, hein, c'est facile. Hein, le NC, on prend pas de NC neutre en unité de combat. Alors, à l'exception des Edge Knights, hein, qui sont des chevaliers errants et qu'on peut donc retrouver partout et qui sont autorisés. Pas de neutre ou alors seulement Tycho, et encore sur la liste avec une loyauté Stannis, c'est-à-dire que si on prend Nurenni et Tycho, ben on n'aura pas les 2 points. Les attachements, ben pas de Bolton, pas de Corbeau Tornade, pas de Pitre Sanglant, ni Bronn, ni Jaqen. Voilà, bon après on a assez d'attachements dans les Baratheons pour combler, hein. C'est quand même une faction assez riche. Et le fluff historique, bah, si tu joues Baratheon, Jamie, il n'aura pas les listes, on mettra 4 à tous les Baratheons, parce que sinon il va nous faire chier avec son truc là. Puis on peut préciser que suite à une remarque pertinente, on a rajouté Baelish dans la liste des UNC enfin, qui permet de la gratification en points au côté Renly parce que Baelish intercède auprès des Tyrell, Oui. notamment dans l'attaque de la bataille de la Nera. Ah, mais c'est trop tard. Trop tard, c'est pas écrit, on s'en fout. C'est du côté Renly, c'est interdit, c'est tout. Voilà, Oh donc. là là, toi aussi tu t'y mets. Non, mais non, on le rajoutera avec plaisir, sans problème. Mais c'est rajouté, c'est déjà rajouté, c'est Je dans le le vois texte pas. que tu as. Ah mais si. Vous pouvez même faire une liste Renly 2, donc en disant que c'est Ben. Garland Tyrell et vous jouez Sur. Renly, Baelish en unité non combattante, et là c'est 100% fluff. Et parce qu'en fait, c'est notre ami Ender qui n'a pas le bon document du coup. Il lui Parce manque que la moi je petite. lis le document à Oui. Mais Ender. Hein. le Ouais, je document que je t'ai l'ai, ok. envoyé, il y a un Baelish dessus. Ah ouais, d'accord. Donc Tout oui, ça bah, pour oui, qu'on se bah, foute la honte, quoi. ouais, oui, Baptiste. Non, Ouais. non, c'est intégré, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de cabale. J'ai veillé à ce qu'on le défende. Parce que toute personne l'aime. Je sais pas, on dirait que c'est Geoffrey, mais Ah en bah fait, si, ah non. si, si, il est aimé. C'est la personne qui l'aime qui des fois peut poser problème. Mais après, il est aimé, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, en tout cas, pas par les joueurs. Allez, Donc, mais justement, on va et on parler des enlève. neutres. Alors, pour ceux qui vont jouer neutre. Vas-y, Titus. Oh bah les neutres, bah, sans mélange de corbeau ou d'autres neutres, donc corbeau tornade seul, hein. Pas de corbeau tornade avec les Bolton, quoi. Hein. Sans mélange de corbeau avec d'autres UNC, pareil, pour les unités de combat et puis pour zut, les UNC. Les attachements, encore une fois, on ne mélange pas les corbeaux tornades et les autres neutres. Et Et les le fluff serviettes. historique, 4. Voilà. Alors en fait, on a sorti les corbeaux tornades parce que c'est une faction qui peut déjà s'allier avec les Greyjoy, avec les Targaryens.
Et puis voilà, quoi. Donc, ça permet de la retrouver ailleurs et c'est pas mal, quoi. Moi, on me dit dans l'oreillette comment, si on fait une armée neutre de corbeaux tornades, au niveau des UNC, comment on se positionne? Oui. Eh ben, c'est super bien. C'est Comment on compliqué, fait? effectivement. Parce qu'il n'y a aucun UNC corbeau tornade. Non. Eh bien, c'est au cas où ça arrive avant, on était déjà prêt. Je vois pas où est le problème, là. Nous, on anticipe des trucs et vous trouvez que c'est pas bien. Enfin, je veux dire. Non, mais Non. je pour les UNC, Non, mais je on est tous garants, c'est bon, on est d'accord. Voilà. Hein? Donc, vous avez plus deux si vous n'avez pas d'autres neutres, en fait. voilà, c'est ça. Il Oui, donc là, semblerait qu'il y tu ait dis que quelques c'est coquilles. dur. Hein. Drogo Il vous dit semblerait encore, ouais, qu'il c'est y ait vrai des qu'il risque pas avoir beaucoup de listes autour de Tordane. Ah ben disons que tu peux jouer sans UNC en Storm Pro. Voilà, parce que de toute façon. Ah si, tu vas pouvoir. À la limite, si on enlevait tous les. On pourrait te mettre un émissaire de la Banque de Fer. Pourquoi pas? Parce qu'il est aussi à. Il a Bravos, donc il a Essos. Tu Et pourrais puis avoir Varys. Jaqen. Et Jaqen Agar. Jaqen. Tu prends. Mais ouais, mais vous êtes compliqué. Tu prends. Moi, j'en connais. Tu prends Illyrio Naharis, c'est un corbeau de tornade. N'importe quoi. Jaqen Oui, Dragon Expo. Ok. Ouais, donc oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais non. En fait, vous voyez ça à l'envers. Rassure. Si vous voulez Rassure. marquer plein de points, c'est compliqué. Mais si vous voulez faire une liste et marquer que très peu de points, ben voilà. C'est facile. À les peuples libres, ça a été compliqué. Oui, je suis d'accord. Pour avoir le point, c'est compliqué. Après, tu peux toujours le faire, oui. Ne cherchez pas, voilà, ne cherchez pas à optimiser le. En fait, voilà, globalement, hein, c'est vrai que on dit souvent par abus de langage, on peut pas jouer, ou etc. Ou ça va être compliqué. Mais il faut pas non plus chercher à marquer le maximum de points. Le principal, c'est de se faire plaisir, aussi derrière, hein, tout en essayant d'ajuster au mieux, tout ça, quoi. En fait, pour rebondir ce que tu dis, Wilfried, il faut quand même penser que ce code de la chevalerie, nous, pour qu'on puisse l'intégrer dans un classement, fallait qu'il soit, qu'on puisse quelque part le comptabiliser, parce que sinon il modifiait en rien un classement qui était lié à tes points de victoire. Donc il a fallu trouver des moyens de vous ajouter des points en fonction de la composition de votre liste. Donc vous pouvez prendre ça comme quelque chose pour guider votre compo de liste, mais vous pouvez plutôt prendre ça aussi pour vous aider à réaliser une liste qui marquera peut-être pas tous les points, mais qui rentrerait dans le code de la chevalerie. Voilà. Ok, on enchaîne avec le peuple libre. Alors ça je peux le faire à votre place, hein, ça le Ouais, fait. vas-y. Ah. Je pense que C'est je vais comprendre. compliqué. Comme c'est compliqué, on te laisse le faire. Vador au nord du mur. Je crois que c'est ça la petite carte. Bah donc en fait, ouais, on marque 6 points automatiques, c'est bien. Il n'y a rien du tout, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est les quatre derniers points qui sont pas si faciles que ça, parce qu'en fait, Mons Rider, il arrive à unifier, enfin, tout du moins à faire en sorte que les différents clans s'entendent. Mais sinon, pris en dehors de la subordination à Mons Rider, la plupart d'entre eux peuvent pas s'encadrer. Hein. Donc, si vous mettez Tormund et Clinquefrac dans une même liste, ça va pas le faire. Ils ne peuvent pas s'encadrer, hein. Par exemple. Et je crois que Tormund, il n'est pas fan de Styr non plus. Je me souviens plus. Je me souviens Par plus. contre, Tormund, il aime le nez de graisse, hein. Le nez de graisse, il aime bien, hein. Ça, si vous en trouvez dans votre liste. D'ailleurs, j'en ai commandé, j'espère qu'on les recevra à temps d'ailleurs. Tu l'as Bah commandé où? Hein? Ah, mais Il n'est j'ai pas pas le droit de bloqué dans je un. par, j'ai pas Bah, le droit de au nord dire, du hein, mur. on m'a dit. Il n'est pas bloqué dans un container. Il franchit le canal de Suez. Allez, ben donc là, on va parler du fluff Alors là, historique. c'est Jimmy qui va parler, les gars. Ah bah attends, mais je vais lire ce que j'ai écrit parce que je me souviens plus. J'avais trouvé une belle phrase. Mais pour quelqu'un qui fait du fluff, de pas avoir ton propre historique, c'est pas bien, hein. Ouais, non, je disais, donc je vais lire la phrase en fait, parce que elle est autoporteuse. Un joueur marque jusqu'à 4 points de renommée
par liste si elle respecte l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que respecter l'histoire? Ça veut dire que toutes les unités, qu'elles soient combattantes, attachements, non combattantes, sont simultanément engagées pour une même cause, qu'elle soit politique, diplomatique ou militaire. Voilà, c'est ça le truc. C'est à un moment dans la saga, tous ceux que vous allez mettre sur votre liste, eh bien, simultanément, ils concourent à faire converger leurs actions pour une même cause. Donc, vous pouvez marquer 0 points si vous avez mélangé tout et n'importe quoi. 2 points si bah, ça converge pas vers une même cause, mais ah, si jamais il s'était passé un truc particulier, eh ben, ça l'aurait fait quand même. Et puis, ou alors, c'est pas dans la saga littéraire, mais c'est dans la série télé. À ce moment-là, ça ne fait que 2 points, c'est déjà bien. Et puis, si vraiment vous avez fait une liste full historique qui correspond à ce qu'on peut lire dans les livres, voilà, ça fait 4 points. Et comme je le précise, hein, les personnages qui sont errants, il y en a quand même beaucoup, hein, des personnages qui vadrouillent tout seuls, de ci, de là. Eh ben, vous pouvez les intégrer dans les listes. Les unités non combattantes, elles ne sont pas forcément colocalisées. Par exemple, Holland Reed, il quitte pas sa forteresse de toute la saga, mais pour autant, il mène tout un tas d'actions pour aider les Stark. Voilà, pour ça. Il y a Baptiste qui en revient sur dans la série. Stannis engage les corbeaux tornades dans la Honor. Dans la série. Je sais pas si tu as vu la série, Jamie. La série? Oh, Corbeaux? oui, si, j'ai Oui. vu la série, oui. D'accord. Des corbeaux tornades? Non, c'est pas les corbeaux tornades. C'est d'autres mercenaires, je crois. Alors, c'est pareil. Concernant, voilà, c'est là que je le place. Si jamais vous avez un doute ou quoi, c'est simple. Vous tapez le nom de votre personnage sur Google ou la faction. Corbeau Tornade, par exemple. Vous tapez Corbeau Tornade sur Google. Et là, vous allez avoir le site qui s'appelle La Garde de Nuit. C'est sur ce site-là que vous allez trouver un maximum d'informations particulièrement bien renseignées. Moi, je vous encourage à aller chercher le fluff sur le site de la Garde de Nuit. Tout attaché, lagardedenuit.com. Et la garde de nuit, ils font à la fois la saga littéraire et la série, ou ils font que la saga littéraire? Ça sera la saga littéraire que vous aurez. Ils parlent aussi de la série télé, ils parlent de tout un tas de choses. Mais voilà. Bon, ils ont aidé pour les dernières œuvres les derniers tomes de George Martin, ils ont contribué, hein, parce que c'était devenu Incroyable. tellement tentaculaire qu'il a dû faire appel à des fans du monde entier, dont un Français, je crois, de la Garde de Nuit. C'est pas toi. Ah non, non, non. Ah non, il y en a qui s'y connaissent beaucoup mieux. Allez, slide suivant. Bon, après, c'est des exemples. On va peut-être pas les prendre, mais D'accord, ok. c'est des exemples qui illustrent quand est-ce que bah, ça va pas le faire. Ouais, ok. Par exemple, Khal Drogo et le dragon Drogon, bah, ça va pas le faire parce qu'en fait, il faut qu'il y en ait un qui meure pour que l'autre vive. Donc, les mettez pas ensemble. Ça va aussi avec Rhaegal et Viserion. C'est pas Oui, bien sûr. spécifique aux dragons, c'est les dragons. Ouais, C'est les dragons. donc il y a une série d'exemples, ok. Il y a une petite série d'exemples. Et Ok, puis pas mal, ouais. tous les slides qui suivent, c'est des exemples. D'accord. Ok. Du full Tyrell, bah oui, c'est 4 du full Tyrell, mais ça va être compliqué de faire du full Tyrell aujourd'hui. Bon, Bon, je on a dois dire. parcouru l'ensemble des slides, enfin de ce qu'on voulait présenter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tant que vous avez Chavalou, Titus et Jimmy en ligne.
Vous pourrez les poser en différé sur la vidéo, en commentaire, on y répondra. Ou vous adresser directement via le lien du tournoi ou directement aux personnes. Vous débrouillez, enfin, vous savez nous contacter. Tous les moyens que vous voulez. On avait une liste d'exemples, Chabalou. Tu veux qu'on en parle ou... Bah oui, oui, parce que liste qui est passée sous les fourches codines de Jimmy, comme ça on peut présenter un petit peu ce que ça peut être. Un exemple de liste. Un exemple de liste, donc là pour le coup la Nister. Qui normalement se retrouve avec 4 points de fluff. Donc dans cette liste. C'est une liste Tyrion Nera. Donc défense de Port-Royal face à Stannis. Donc unité d'Albardier, unité d'Arbalétrier avec Bronn. Oui. Des Red Cloak avec Tyrion Général. Oui. Et derrière, unité de garde à Lannister, unité de cavalerie. Oui, et en général. C'est de l'entrée unique Lannister, pour le coup. Ouais. Tout ce qui est armée régulière Lannister est représenté dans cette liste. Et alors, après, donc le général, c'est Tyrion. Et en UNC, ben, il y a le roi, forcément, il y a Joffrey, puisqu'il est là, et Pycelle. Ouais, mais c'est pas possible, c'est un héra, là. Ça vaut 4 points. Bon, mais c'est pas mal. Ça fait 4 points. Voilà un exemple de liste qui peut être faite. Et, alors, bien sûr, c'est forcément pas optimisé, hein, il n'y a pas de doublette, mais ça peut vous donner un ordre d'idée de ce qui peut être dans les clous, entre guillemets, de ce qu'on attend. Voilà. Ouais, ouais. Donc, bah, une liste qu'on vous présente là, faite. Grâce au builder de Mathieu, donc sur assoif.fr, donc builder.assoif.fr. Allez-y, c'est top. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça se passe pour les personnes qui font deux fois la même liste? Ben, deux fois la même liste, c'est une liste. Hein. Eh ben, ils marquent deux fois la même point, sauf qu'ils ont deux fois le même général, donc ils marqueront pas beaucoup sur la popularité du général. Ouais, enfin, deux fois la même liste, les gars, c'est une liste. Hein. C'est pas parce que tu l'envoies deux fois que c'est pas la même. Hein. Je pense qu'un gars qui envoie deux fois la même liste, eh ben, il aura une fois 10 points. Hein. Ça me semble logique. Hein. Ah, je sais pas, ouais. Je pose la question. Ben, je vous donne mon avis, sinon c'est un peu facile. Alors par contre, ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait la jouer, la liste aussi. Et oui, c'est-à-dire que sur toutes les parties du tournoi, il faut la jouer, la liste, pour qu'elle marque des points. Ouais. Celui qui a une liste fluff, une liste pas fluff, et qui fait tout le tournoi en jouant avec sa liste pas fluff, il ne score pas. Hein. Alors ça, et ça, c'est marqué. Ça, c'est pas marqué. Ah, d'accord. Ok. On a voté, là, tu nous as pas vu, c'était sous la table, on a voté. C'est l'atelier du bêta, c'est le bêta test. Bon, vous savez qu'au Baratheo, on n'est pas des professionnels, on l'a toujours dit, on est des amateurs. L'amateurisme, c'est ce qui nous fait vivre. C'est la marque de fabrique. Alors, du coup, bon, j'ai raté quelques petites questions. Alors, il y a un gars qui demande pour les manteaux rouges, savoir s'ils n'étaient pas partis au moment de la Nera. Eh bien, je ne sais pas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vais le faire, quand il y a des questions comme ça, le mieux, c'est de le googler. Vous le googlez. Je suis en train de le faire, manteau rouge. C'est sympa, vous avez un manteau rouge à capuche pour 29,99 €. Et par contre, il y a un commentaire drôle par rapport à la liste de Damien. Pour jouer cette liste, en respectant l'histoire, il faudrait que Joff quitte la bataille au rang 2. Il est déjà pas sur le champ de bataille, Joff. Il est dans le donjon. Donc c'est bon, non? Bon, c'est drôle.
Oui, c'est drôle, c'est vrai. Et en fait, il faudrait que Cersei se pointe, vienne le ramasser par l'oreille, et il rentre maintenant. C'est bon, c'est fini. Pendant que tu cherches, Jamie, Et j'ai Drogon. trouvé. Ah, vas-y, vas-y alors. Alors. On remet la question. Hop. Là, en fait, il réfléchit, hein, Jimmy. En fait, il traduit les symboles qu'il y a sur Non, il y a un l'écran. delta, il y a un delta, là. C'est qu'on est en train de voter sur la table, si on dit oui ou non. Il est en train de comprendre que les symboles sur Il l'écran, c'est des faut caractères, c'est des lui. lettres. Il les assemble. Ça fait des mots. Non, c'est marqué, lorsque Tyrion Lannister devient main du roi, il pense que la loyauté de Vaylar et de ses hommes lui est acquise. Vaylar, c'est le commandant des Manteaux Rouges. Toutefois, les Manteaux Rouges continuent à obéir aux ordres de la reine Cersei sans lui en référer, notamment lorsqu'il jette en prison une vingtaine de pêcheurs des rues de Port-Réal. Et Tyrion s'en débarrasse en leur faisant escorter Sir Cléos Frey lorsque ce dernier repart pour Viseg, porteur de ses propositions de paix pour le roi Robb Stark. Donc ça, c'est avant la Nera. Effectivement, il en renvoie une partie, mais bien qu'ignorant tout de ce projet, certains manteaux rouges mettent l'épée à la main. Mais certes, Jaime est repris et jeté au cachot. Non, je pense qu'il y a encore des manteaux rouges à la Nera. En tout cas, je n'ai pas lu autre chose. Qui c'est qui posait la question? C'était Damien? C'était Jean-Loup, Jean Grosse. Il y a une autre question de Drodo Vanir. Imaginons qu'on veuille faire une liste Hurlore. C'est possible de mettre deux unités de fanatiques ou pas du tout? Ouais, c'est le même Ah bah problème là je vais que. répondre. Moi je joue Hurlor et des unités de Hurlor, t'as pas besoin de doubler les fanatiques pour mettre que du Hurlor. Avec Non, tout ce qui est sorti. non, mais Donc c'est la même question que pour bah oui, moi. et ça sera la même réponse en fait. Les doublettes Ouais. autorisées, c'est celles qu'on a déterminées. De toute façon, très, très clairement, on a eu un gros débat où on s'est envoyé des assiettes et des verres. C'est sur les doublettes et le fluff. Si vous voulez jouer Humble, Tyrell, Grand Moineau, Reed, etc., c'est sûr que c'est compliqué. Vous n'avez pas les doublettes dans les starters. Donc, le choix qu'on a fait, c'est pas de doublettes. Donc, soit vous avez une collection qui vous permet de jouer fluff quand même, soit vous marquerez pas tous les points. Et puis je vous rappelle, hein, c'est toujours pareil, c'est un truc en plus. Voilà, c'est pas comme s'il y avait que ce classement-là dans le tournoi et vous seriez obligé, coincé par rapport aux copains. Non, non. L'idée, c'est d'avoir une deuxième partie, un deuxième truc, un deuxième classement. Et c'est pareil, hein, si tu veux jouer Tully, aujourd'hui, on n'a que deux unités de Tully sur la table, quoi. Donc on a les cavaliers et tu peux pas le faire parce que tu as les cavaliers et les boucliers, donc Ouais. tu es obligé de les Enfin, mettre en celui qui double. veut jouer Tully, il peut marquer 4 points de fluff historique. C'est juste Qui fait commun. il mettra Mais Brindel dans pas. une unité, ça fait 3, et puis voilà quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Il Non, aura 3 mais sur 4. il prend une cavalerie Stark pour compléter, un truc comme ça, un truc Stark pour. Non, mais je suis d'accord, mais. Donc, c'était pour répondre aux doublettes. C'est sûr que tu pourrais mettre 2 Hurlors, tu peux mettre. Tu pourrais mettre, comme disait tout à l'heure, deux pour Fellow, parce que c'est vrai qu'on pourrait les retrouver dans les listes fluff, mais on a fait le choix de ne pas doubler ces unités-là pour éviter d'avoir justement arbitré tout et n'importe quoi en doublette, en fait. Ok, et donc du coup, l'ensemble des points de renommée des généraux, là, tout ça, là, enfin, global, ne sont valables que si on joue la liste en question, c'est ça alors? Ouais, on t'oblige à jouer au moins une fois ta liste dans le tournoi. Oui. Ok. Si tu la joues pas, effectivement, tu marqueras pas les points de ta liste. Ok, donc par contre, ça sera sur déclaration sur l'honneur de chaque Voilà. cavalier, nous dire j'ai bien joué mes deux listes. Quand on est Ouais. chevalier, on ment pas. Oui, et puis de toute façon, déclaration sur l'honneur, il y a TTT, non? Où tu mets ton commandant quand tu fais ta partie. Non. Non? Tu mets. Ah bon, bah, ok. Non, Alors tu ça mets. sera vraiment votre honneur. Ouais, non, tu mets pas la liste que tu choisis, non. D'accord.
C'est dans l'autre, c'est avec le stat là. Enfin, bon. Ah oui, les Anglais, le site des SOIF Stats. Ouais, D'accord. voilà. Okay. Bon, ben, nous, on a fait le tour de notre présentation. Il y a eu pas mal de questions. Continuez à les poser. Nous, on va vous quitter. Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs les sœurs? Ah, si, une question. Hop, 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 hop. Bah Bravo. juste répondre à Baptiste, hein, c'est dans le tournoi hein, qu'il faut jouer ses listes, hein, évidemment. Ah. Gros drôle qui vient en Lannister au tournoi pour pouvoir jouer les Flying Men. Bon. Bah, Mais il viens en peut. Bolton. Mais non, mais il peut. Il peut Oui, mais jouer. viens en Bolton pour jouer les Flying Men. Il peut jouer en tournoi Lannister avec des Flying Men et faire 100% des points fluff, hein. Il va falloir quand même qu'il trouve le bon compromis avec les bons personnages. C'est pas forcément évident. Tu dis pas, je joue Lannister, je mets des Bolton et j'ai tous les points de fluff. Ça se Non. goûte. Ça, il faut l'articuler. Faut l'articuler, mais c'est faisable. C'est faisable. Ok, mais on a. Si vous avez un autre à rajouter, on va clôturer. On va clôturer cette émission et Il y n'hésitez pas a à me faire Rouze. vos commentaires. Oui, pardon, Jimmy. Ouais, je pensais du coup à cette affaire de Lannister et de Bolton. Il y a Rouze Bolton qui s'installe à Arryn Hall J'y pensais. avec. Avec Willy. Avec Willy. C'est Arnold et ça. Willy. Non. C'est ça. Aaron Hall. Oh là Mais là. il faut pas dire que Ender il a pas vu, il sait pas. Aaron Hall et Rhaenyra, Willy. Oh là là. ils se le sont tous partagés. Ça a été à Baelish, après ça a été occupé par par Roose Bolton, mais ça a été aussi occupé par les Bloody Mummers. Ça a été, et puis après c'est Gregor Clegane qui allait l'occuper. Donc C'est ça. il aime bien ce château fondu. Bah, il est position stratégique. Ouais. Il doit être à un carrefour, c'est pas possible. Juste en dessous de Viveuse Eye pour les faire casser les pieds aux Tully, ouais. Il est bien placé. Ok, bon ben merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, je redis, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Et puis on se dit ben, pour certainement l'ensemble des auditeurs au tournoi à la fin du mois. Et sinon à une prochaine émission. Allez, Oui, bye j'ai bye. juste Oui, brillé les codes pardon, de maille, les bye. gars, on vous attend. Ouais, et ben, on va vous envoyer tous les documents rapido. Et il faut insister pour les listes de chevaliers. Donc, vous pouvez déjà commencer à nous les envoyer, sachant que la deadline qu'on va mettre pour ça, c'est une semaine avant le début du tournoi. C'est pour qu'on ait du temps pour faire justement les échanges, revenir travailler avec vous pour que les choses se passent le mieux. Voilà. Donc, pour les listes de chevaliers, pensez à les envoyer bien en amont et qu'on puisse les étudier tout simplement et voir ce qu'il en Yes. est. Yes, très bien. Bon, mais merci à tous. Allez. Merci les gars. Bye bye. Ciao. Salut, bon Ciao, vol bye les équipes. bye.